Waouh, Elsa, je rêve de toi depuis si longtemps. Nous sommes enfin ensemble. Super, moins une. Quand est-ce que quelqu'un me choisira? T'aimerais Barbie. Ah, c'est mon heure de partir. Au revoir. Oui, aujourd'hui est un grand jour. Hé bébé, achète-moi. Je suis là. Quoi? Qui a besoin de toi? C'est méchant. Comment oses-tu? Le jour est arrivé. Troom Trick Police. Ne bougez pas. Savez-vous au moins ce que j'ai enduré? Arrête, tu vas aller en prison, Barbie. Tu ne feras plus de mal à personne. Officier Feng, une autre. Pourquoi? Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on en fait? Donne-les-moi. Je vais me débrouiller. Vous pouvez faire plus attention, c'est fait à la main. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a là? Jackpot. C'est un guide pour s'échapper. On dirait que je vais devoir me transformer en vampire. Super. Oh non. De quoi as-tu besoin? Tu mijotes quelque chose. N'essaie même pas de t'enfuir. C'est clair. Pfiou, c'était moins une. Quoi? Eh, il y a quelqu'un? Tu m'as libéré. Et maintenant, je vais t'aider. Ah, une araignée! Attends, tu peux m'aider? Bien sûr. Appelle-moi Violette. Quoi? Qui rit là? Barbie, tu fais de l'élevage d'araignées ou quoi? Oh, s'il te plaît, j'ai rien fait de mal. Violette, contente de te revoir. Je suis allergique aux flics. C'était une bonne leçon pour lui. Merci, Violette. Pas de problème, Barbie. Tu te souviens que j'ai promis de t'aider? Voici mon premier cadeau. Wow, Violette, là, je vais vraiment sortir d'ici. J'ai hâte de l'ouvrir. Wow, c'est exactement ce dont j'avais besoin. La prison n'est clairement pas faite pour moi. J'ai besoin de me rafraîchir. Dommage que les cernes ne disparaissent pas. Peut-être qu'une crème m'aiderait? Il n'y a jamais trop de crème. Une peau hydratée te donne un visage sain. Maintenant, on peut passer au masque. J'ai l'impression d'être dans un monde cyberpunk. Waouh, il y a tellement de néons. Je devrais peut-être le laisser comme ça. Ça a l'air stylé. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est Balenciaga? Faut que j'aille sur Google. Eh, prends-le-moi! Attends, ça a marché! Mon visage est à nouveau parfait! Mais les poches sous les yeux sont toujours là. C'est trop cool! Les gardiens vont être jaloux. Oh! Oh! Éteignez ça! Mon visage, ça va! Oh. Oups, j'ai oublié de te dire, c'est pas pour les vampires, c'est ta faute! Oh, éloigne ça de moi! I'm a Barbie girl! Oh, stop! In a Barbie world! Arrête! Je te mets en mode silencieux! Oh, laisse-moi partir! Super chanson! Alors tu vas aimer la prochaine! Encore! Ok, c'est bon! Voyons comment tu vas chanter maintenant! C'est tellement mieux! Barbie, je suis là! T'inquiète pas! Quoi? Mes lèvres! Il faut que je les voie! C'est incroyable! C'est tellement beau! Violette, j'adore! Ça brûle encore! Bon, c'est pas grave. Le masque rafraîchissant va soulager la chaleur. Waouh, c'est frais! Oh, c'est tellement agréable! Je peux rester assis comme ça pour toujours. Quel mauvais garçon! Donne-moi le masque! J'en ai encore plus besoin! Oh, je peux pas l'atteindre! Que dois-je faire? Je sais! C'est bien que je puisse faire ça! Ok, ça devrait marcher maintenant. Allez, encore un peu... Ouais! Qui est là? Youh, personne! Maintenant que j'ai un masque, je peux enfin me débarrasser de ces cernes. C'est donc ce que ressent Elsa? C'est rafraîchissant. 5 minutes de plus, maman. Oh, non, rien. Ah! Oh, on dirait que ça fait mal. Il ne doit pas savoir pour le masque. Oh, ma tête! Barbie, qu'est-ce qui s'est passé? Quel masque? J'ai pas de masque! Bon, d'accord, prends-le! Oh. Oups, je pensais pas que ça arriverait. Waouh, pourquoi ça me démange autant? Hé, Feng, tu as pris une douche? What? Oh non, 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 pas de puce tant que je suis là. Donne-moi ta main. Voilà ton shampoing. Hello? Tiens, même pour Violette, c'est pas assez. Tu m'as appelé?
Oh, je crois que j'ai une idée. Troom Trick. Waouh, cette couleur est parfaite. Merci, Violette. Exactement ce dont j'ai besoin. Ok, j'espère que l'officier ne restera pas sur sa faim. Qu'est-ce que c'était? Bon travail. Maintenant, je peux ajouter quelque chose à mon nouveau look. Allez, on y va. On verse le sang ici. On trempe la boucle dans une teinture rouge. L'essentiel est de ne pas se salir. Waouh, quelle couleur vive et éclatante! Génial! Et maintenant, la tresse. On va ajouter des rubans noirs, ce sera très élégant. Faisons cette astuce pour le volume. C'est l'heure de la décoration. On a mis des perles sur notre tresse à l'aide de colle chaude. C'est trop mignon! Violette, tu aimes? Oui, tu as raison, plus il y en a, mieux c'est. Ça me va vraiment bien! C'est beaucoup mieux! Hé, hey, officier, qu'est-ce que t'en penses? Et pas d'aversion la prochaine fois! Quoi? Barbie? Quelle belle coiffure! Mais les cheveux ne suffisent pas pour sortir d'ici! Il va falloir que tu travailles beaucoup plus sur toi-même! Je viens de commencer, regardez les progrès! Les gars, vous aimez? Eh bien, qui peut résister à un si bel homme? Je suis si fort! Le prix de Monsieur Vampire sera définitivement mien! Tu n'es pas le seul culturiste ici! Allez, on y va! Il est temps de redonner à Barbie ses lettres de noblesse! Je sens déjà les kilos superflus s'envoler! Super! Et maintenant les abdos! Allez, Barbie! On ne peut pas abandonner! Ok, ça suffit pour aujourd'hui! Attends, j'ai une idée! Violette, tu as quelque chose pour moi? Wow. Parfait! C'est un masseur anti-cellulite! Avec lui, je n'ai plus peur de rien! C'est ça! C'est tout simplement magique! Je suis à nouveau en forme! Je vais devoir te le confisquer! Hé, c'est le mien! J'ai déjà gagné! Avec ce masseur, je vais devenir encore plus cool! J'ai hâte de voir la tête du jury! Ça marche! C'est parti! Pleine puissance! Quoi? Laisse-moi partir! Hé! Laisse-moi sortir d'ici! On dirait que quelqu'un en a trop fait! Hé, officier! Ce coup n'a toujours pas de morsure! Like... Quoi? Tu veux une friandise? Ah, c'est dégoûtant! C'est méchant! Et comment je fais pour avoir une morsure, moi? Me voilà! Qui a laissé ce trésor ici? Merci! Hé, reviens! C'est mon déjeuner! C'est ma chance! Enfin, je vais regarder de plus près! Le visage, tout à fait! C'est ce que je vais faire! Voyons ce que nous avons là! Oh, tant d'options! Où pourrait-il le mettre? Ah, c'est exactement ce que je cherchais! Une trousse de maquillage! Il est temps de me maquiller! D'abord, nous devons nous débarrasser de ce dont nous n'avons pas besoin! Et je me suis lavé le visage! Je suis si belle! Ok, passons aux choses sérieuses! Tout d'abord, nous choisissons le bon fond de teint. On éclaircit la peau et on applique le fond de teint à l'aide d'un beauty blender. Ombrez les grandes zones. C'est mieux. Maintenant les yeux. Pour un look de vampire, je choisis des ombres écarlates. Merveilleux. L'eyeliner noir. Prêt. Maintenant les cils. Super. Et pareil pour l'autre œil. Waouh, je suis parfaite! Ajoutons de la poudre. Et qu'est-ce qu'un vampire sans un rouge à lèvres rouge sang? Je ressemble beaucoup plus à un vampire maintenant. Je pense qu'il est temps de changer de marque. Qu'en penses-tu? Je t'aurai, quoi qu'il m'en coûte! Personne ne vole mon déjeuner! N'importe quelle récompense pour mort ou vif! Excellent, Barbie! Un point de plus! C'est enfin là! Où dois-je l'ouvrir? Waouh, une cape comme si j'étais un vrai comte! J'espère qu'elle est à ma taille! Quoi? J'ai écrit que je voulais pour homme! C'est une prison pour femmes maintenant? Arrête, c'est pas drôle! Ne dis pas ça! Allez, reste calme! Mais tu sais, si tu ne peux pas être un comte, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être comtesse! La résistance ne sert à rien! Troom Trick Police est là! Allô la base? J'ai l'aigle! Oh, c'est ma chance! Je ne pense pas que t'en auras besoin!
C'est le moment idéal. Je pense que je peux t'utiliser. Ce ne sont pas des bas, mais une vraie toile. Seulement, au lieu d'un pinceau, j'ai des ciseaux. Waouh, ça a l'air très cool. Mais ce n'est pas tout. On utilise les fils pour faire ce tour. Qu'est-ce que t'en dis maintenant? Attends, on a oublié les décorations. Troum trick! Oh, je suis sur un petit nuage. Il ne me reste plus qu'à faire le deuxième. Troum trick! Ça a marché. Tellement heureuse. On dirait que rien ne pouvait aider. Mais un peu d'imagination peut tout changer. Tu vas me laisser sortir ou pas? Bien sûr que non. Comment oses-tu? J'ai même fait les bas. Oh! Le plâtre peut compléter mon look. Je pense que je vais pas rester longtemps ici. Mélange le matériau avec de l'eau et remue. Tu devrais obtenir une solution blanche. Super! Maintenant, on va faire des crocs de vampire bien aiguisés. Essaye! Oh! Maintenant, je suis comme un vrai vampire! Transfert à Barbier! Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lance! Wow! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un bon moyen de sortir. C'était juste sous mon nez pendant tout ce temps. Au revoir, officier! J'espère qu'on ne se reverra pas. Où est-elle allée? Essaye de me trouver! Je sens déjà la liberté et elle m'appelle! Te voilà! Tu ne peux pas t'enfuir! Je t'ai eu! Personne ne m'a encore fui! Oh, je te déteste! Laisse-moi partir, je t'en prie! Si tu ne veux pas jouer gentiment, on va jouer difficilement! Hé, arrête de faire ça! Tu pourrais me laisser partir! T'aimerais bien, poupée! Tu sais qui est mon papa? Tu vas le regretter, mais tellement fort! Oh, stupide vampire! Ouh, quelqu'un de nouveau dans notre prison! Tu le connais, Violette? Tout le monde dans le quartier me connaît! Je suis Eggie! Barbie, il est fou! Sauve-moi! Je vais te montrer qui est fou ici! Arrête! Personne n'offense mes amis! Wow! Tes yeux sont si beaux! Je crois qu'ils me vont mieux qu'à toi! C'est exactement ce dont j'avais besoin! Et alors? Maintenant, je suis comme un vrai vampire! Les crocs, les yeux, le maquillage, tout est parfait! Je pense qu'il y a une énorme différence! Qu'en pensez-vous? Quelle couleur me va le mieux? Officier, je suis prête! Tu peux ouvrir la cellule? J'ai fait tout ce qu'il y avait sur la liste. Regarde. Tu cries encore? Ok, vérifiant. C'est beaucoup mieux. Tu te souviens du look que j'avais quand je suis arrivée ici? Je pense que je mérite une libération anticipée. D'accord. Vêtements. Crocs et yeux. Tu es libre! Enfin! Au revoir! Hé, attends! J'ai besoin de toi. Vraiment? Notre équipe a besoin de gens comme toi. Je suis sûre que tu peux te débrouiller et amener cette fille ici. Nous avons une plainte de Daddy Longlegs. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en occupe, officier. Ça ira. La voilà! Attrapez-la! Je ne m'en fous pas! Vous ne pouvez pas vous échapper de la prison. Pourquoi la prison? Je suis en train d'aider. Vous avez le droit de garder le silence. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Laissez-moi sortir! Ok, écoutez, je suis en vacances ce mois-ci et je serai absente toute la semaine. Alors c'est vous qui êtes le responsable. Madame, je ne vous laisserai pas tomber. Et n'oubliez pas les clés. Vous avez l'air d'un vrai flic. Mais avec ça, je serai un vrai flic. Prenez-le. Il est temps pour moi de me reposer. À bientôt! Vous serez fiers de moi. J'espère que la chose a déjà appelé mon avocat. Et qui es-tu, toi? Du sang neuf. Je le sens. Cimetière, sang et poudre à canon. Je suis Vampy. Enchantée, je m'appelle Mercredi. J'ai quelque chose pour toi. Regarde. C'est toi qui l'as fabriqué? On dirait un plan, mais comment puis-je l'utiliser? Ah, les vampires sont spéciaux. Regarde. Monsieur le gardien, venez ici. Quoi? Je dois m'en occuper. Monsieur, vous connaissez les règles de cette prison, n'est-ce pas? Les vampires n'ont rien à faire ici. C'est vrai? Qui suis-je pour enfreindre les règles? Vous pouvez y aller, madame. Merci. Mercredi, réfléchis. Merci, Vampy. Voici donc mon plan d'évasion. Commençons par la première étape. Une peau parfaite. Je
pense pas que ce sera difficile. Oh non, je crois que j'ai mangé trop de bonbons. Ne sois pas nerveuse. La chose, je suis en route. Tiens, ça devrait aider. Vas-y. Avec plaisir. Waouh, et depuis combien de temps c'est là, ça? Souris, mercredi? Génial. Est-ce que le masseur est toujours là? Qu'est-ce qu'elle fait? Un intrus? Suis-moi! Quoi? La chose? Où es-tu? Est-ce qu'il l'a emmené? Je suis Daddy, ça veut dire que c'est moi qui fais la loi, compris? C'est trop triste. Ok, pas le temps de tenter ma chance, passons aux choses sérieuses. Massage plus mode nettoyage. Avec ce gadget, j'aurai encore une meilleure peau que les vampires. Maintenant, on se lave. Alors, ça a marché? C'est parfait. Comment va la chose? Qu'est-ce qu'ils font? Qui fait la loi? Attends, tu peux te rapprocher? C'est moi qui fais la loi ici! Pour qui tu te prends? Oh les gars, je pense que vous allez être amis. T'as l'air en forme, mercredi? Est-ce qu'il vient de lever la main sur moi? C'est un tour de mercredi, ça! Tu veux jouer au méchant? Si tu veux jouer au plus malin, tu vas avoir ce que tu veux. Je parie que tu changeras d'avis quand j'aurai la hache. Vous êtes donc bûcheron? Je sais ce qui va te calmer! Une scie! Réveillez-moi quand vous aurez fini. J'ai ces pinces pour toi! Oh non, j'ai pas besoin de ça. Oh, exactement ce que je cherchais. Alors, mercredi? Prête pour la torture? Si t'es nerveuse, ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il te plaît, ne le fais pas! Quoi, mercredi? Tu n'es plus aussi drôle? Éloigne ça de moi! Pourquoi tu t'en vas? Tu rates tout le plaisir? Je t'ai eu! Maintenant, c'est à mon tour de rire! Ils sont si brillants! Pourquoi? Pour que Daddy reste dans les esprits! Il faut que je me débarrasse de ça! Bon, je vais les couvrir pour l'instant. Je dois sortir. Quelle est la suite du plan? Je pense que je peux passer au maquillage. Quoi? Pourquoi ils me regardent comme ça? Je te regarde, mercredi. C'est juste une affiche pour mon diplôme. Rien d'intéressant. Je dois la cacher. Alors ne me distrais pas. Super, il ne regarde pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je peux l'utiliser. Oh, c'est trop dégoûtant. Je veux pas me salir le visage de nouveau. Attends, j'ai une idée. Ce gadget va s'occuper des pinceaux. Ça n'a jamais été aussi facile. Waouh, comme neuf! Super, c'est quelque chose avec lequel je peux travailler. Ce que vous ne feriez pas pour sortir de prison. Je me demande combien de vampires peuvent se maquiller sans reflet. Je pense que je serais bien mieux. C'est bien. Maintenant, il faut des crocs. Les miens doivent encore pousser. Où puis-je en trouver? Oh, je sais ce qui peut m'aider. Il n'y a pas que des prisonniers qui ont des séances d'entraînement. Oh, quelle horrible rage de dents! 2003! Quoi? Je me laisserai pas avoir. N'essaie même pas! Ça va être plus dur que ce que je pensais. Ok. Plan B! Voyons ce qu'il dit maintenant. Exactement ce qu'il faut! Il faut que je choisisse le bon moment. Oh, ma dent! Quoi? C'est horrible! Je vois un médecin! N'en dis pas plus! Allô? Ok, ne sois pas nerveux. Bonjour, on a besoin d'un médecin. Vous m'avez appelé? S'il vous plaît, aidez-nous, les dents de mercredi tombent! Entrez! D'accord, dites-moi ce qui se passe. Voyons voir. Il s'est détourné! Puis-je compter sur vous pour m'aider? C'est dans la poche. Vous avez donc besoin de crocs? Oui. Excellent choix, madame. Je n'ai jamais vu d'opération avant. Quoi? Pas d'anesthésie? Ouvrez la bouche en grand! Mamie, je peux pas regarder! C'est fait. Comment allez-vous? Parfaitement bien. On a terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Beau travail. Oh. Stop, je te laisserai pas sortir. Allez, t'as de la visite. La chose, pourquoi tout le monde est si injuste avec moi? J'ai tellement de choses à faire. Tellement de choses. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Mais comment? Comment je suis censée me coiffer, là? Quoi? Un problème en moi. Je pense que tu en as plus besoin que moi. Attends une seconde. Troum trick. Maintenant, c'est au tour de mercredi. Ah! C'est quoi ce bruit? Oh! Ok, bouge. C'est un endroit pour un autre intrus. Ah ah! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et ne pense pas! C'est l'heure d'aller en cellule aussi. Mon plan a échoué.
Oh, pauvre chose. Tu ne mérites pas d'aller en prison. Tu vas tellement manquer. Je vais t'aider. Qui a dit ça? C'est moi, Benzia. Oh, merci. Maintenant, je peux le faire. Pour ma liberté, je suis prête à dire adieu à mes nattes. Troum, trick. C'est joli aussi. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai fait. Quoi? J'ai vraiment l'air d'un vampire. Et peut-être des tresses sanglantes. C'est beaucoup mieux. Que dois-je faire ensuite? Je crois que c'est le moment. J'ai besoin des yeux rouges. Peut-être que je devrais arrêter de cligner des yeux. Ou quoi? Je pense que ce dont j'ai besoin est à l'intérieur. Qui veut qu'on lui arrache les yeux? Ça sonne pas bien, en fait. Maintenant j'ai un plan B. Essayons de couper ça. Je n'ai jamais fait de lentilles en carton avant. Mais ça vaut le coup d'essayer. Attention. Oh, le monde est rempli d'autres couleurs. Parfait. Ma robe n'est pas adaptée à ce look. Non, ça ne marche pas. Il y a peut-être quelque chose pour moi dans cette boîte. Je te surveille, mercredi. Je crois que j'ai une idée. Je dois distraire Daddy. Je suis sûre qu'il va tomber dans le panneau. On le plie ici. Maintenant, on va peindre. Le masque VR est prêt. Super, j'aimerais bien y jouer moi-même. Monsieur le gardien, pouvez-vous venir ici? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a ce truc qui arrête pas de sortir. Qu'est-ce qui sort des toilettes? Je t'ai eu. C'est quoi cet endroit? Éloigne-toi de moi. Ouais, maintenant il faut que j'atteigne cette boîte. J'arrive pas à l'atteindre. Depuis quand j'ai de la télékinésie? C'est peut-être un pouvoir de vampire. Je vais tous vous mettre en prison. Merci, chauve-souris. Toujours heureuse d'aider. Maintenant, je peux me servir. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Wow. Ne regardez pas. C'est incroyable. Oh, j'avais complètement oublié. Ne te moque pas de moi. Je connais le karaté. Il manque encore quelque chose pour mon évasion. Des traces de morsures. Qui les mettrait sur moi? Chauve-souris? Exactement. Je pense qu'elle va aimer ça. Quelques gouttes suffiront. Tiens, c'est pour toi. Non, merci. Oh, ça marche pas. Je suis sûre qu'elle ne refusera pas de mordre Daddy. Je vais le laisser là. Oh, ce type. Je peux plus regarder sa vilaine moustache. Ah, parfait, c'est bon, stop. C'est qu'une photo, chauve-souris. Et maintenant, j'ai une morsure. Je suis un génie. T'as fini, chauve-souris? C'est un peu personnel. Aucun médecin ne te recoudra. Le dentiste vient de partir. Que dois-je faire? Il ne me reste plus qu'à faire une cape. C'est l'étape la plus facile. J'ai l'air d'une victime avec ça. Il me faut quelque chose de plus élégant. Trouvez! C'est une vraie cape. Et Daddy s'est endormi juste à temps. Daddy, il est temps de se rafraîchir. Oh, il fait si froid. J'ai besoin d'une couverture. Maintenant, c'est super. Parfait. Comment je peux l'atteindre maintenant? Allez! D'accord, essayons une autre méthode. Je vais augmenter le chauffage. Oh, il fait si chaud! C'est bien. Ça a marché. Super. Pourquoi je l'ai pas mis avant? Maintenant, je suis un vrai vampire. Attends une minute. Je pense que je peux trouver les pièces manquantes pour le look sur Internet. Oui, je vais utiliser la livraison Troom Trick pour tout commander. Livraison pour la plus mignonne et la plus charmante des Miss Mercredi Adams. Wow, quel beau garçon. Livraison pour l'ange en cage. C'est vous? Oui, c'est mon surnom. Merci. Parfait, à tout à l'heure. Ça tombe mal, mercredi. Retrouve d'abord ta liberté, puis tu penseras au garçon. Il ne me reste plus qu'à faire un bijou de vampire. Les chauves-souris remettront tout ça à sa place. Encore quelques bocaux de sang. Et juste un ici. Je peux pas les laisser vides. Avec quoi devrais-je les remplir? Je pense que je vais trouver un volontaire.
Il faut que j'aille dans l'historique du navigateur. Vous vouliez autre chose? Oh, c'est encore vous. Vous pouvez me donner votre main. Juste une bouchée. Je suis pas un donneur. Arrêtez. Merci, c'est bon. Qu'est-ce que c'était? Je suis un vampire maintenant? Je suppose. J'avais juste besoin de sang pour les bijoux. Merci de me l'avoir livré. Merci. Quoi? Des intrus dans ma prison? Mercredi, tu es suspect. Sors d'ici. Merci. Et où est-ce que Daddy l'emmène? Ne m'oublie pas. Et je ne veux pas te voir ici. Qu'est-ce que c'est? On se voit au cimetière? Est-ce une menace ou une invitation? J'ai l'impression d'être une personne complètement différente. Et je ne suis pas une personne. Je suis un vampire. Hé, Daddy, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens des règles, n'est-ce pas? Je suis un vrai vampire maintenant. Quoi? Pas question. Regarde, je bois du sang. Tu peux comparer. Hein? Bon, d'accord. T'es libre. Merci. Bonne journée. C'est vampire. Aucun mur ne peut me retenir. Et je te laisse ceci. Hein? Pourquoi le criminel n'est-il pas derrière les barreaux? Oh, c'est affreux! Retourne en cellule! Il n'y a pas d'autre option. Mais tu as raison. Les méchants doivent être derrière les barreaux. Bye! Bon séjour à présent. Et moi, je vais au cimetière. J'y serai bientôt aussi. J'espère ne pas arriver trop tard. Gabriel, tu es venu? C'est pour toi. Merci, c'est trop mignon. Ah, c'est quoi cette odeur? Si agréable. Maintenant, allons-y, je dois te présenter quelqu'un. Bonjour. Hé, hey, tu te souviens que mon copain vient aujourd'hui? Wow. Bien sûr, même grand-père est là. Vous allez maintenant pouvoir faire connaissance. Quoi? Grand-père, fais comme si tu n'avais rien vu. Tu sais ce qu'ils font aux gens. Comment t'as enlevé la pomme, toi? Retourne là-bas. T'as l'air bien synchro. Enchantée. D'accord, je vais t'appeler Mortel. Mais tu es venu ici, alors peut-être qu'Immortel est mieux. Où sont les toilettes? Ils sont terribles. Wow, on dirait qu'il y a du monde. Seigneur vampire? Désolé, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais aller demander. Oh, vous cuisinez? Je peux peut-être vous aider? Je ne crois pas. Je peux juste couper une tomate? Pourquoi le couteau est-il si émoussé? Oh! C'est quoi ça, du sang? Ne t'avise pas de toucher mon petit ami. Gabriel, ça va? Tu ne vas pas... Oh, merci ma chérie. Allons-y. Oh, ce petit mortel. Il ne m'a pas donné de sang. Qu'est-ce qui va suivre? Oh, merci mon héroïne. Je te dois un bisou. Comment ose-t-il venir chez moi et embrasser ma fille? Eh bien, non! Reste ici! Il y a beaucoup de vitamines dans la banane. Et c'est bon pour le sang. Merci, je ne pensais pas que Molly nous présenterait. Monsieur, vous êtes sale. Ou ici ou de l'autre côté? Attendez une seconde, je vais vous aider. Regardez, je vois rien. Oh, ça fait mal! Ah, désolé, je pensais pas que vous étiez aussi sensible. Le dîner est terminé. Ok, passons aux boissons. Comme ça, on aura moins de bulles. Oh, quelle journée! Wow! Ce lustre est plus vieux que toute ta famille! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais le réparer. Ramassons tous les crânes le long du lustre. Magnifique! Voici votre lustre, comme l'ancien. Wow, papa, qu'en penses-tu? Il est joli, mais je préférais l'ancien. Comment puis-je l'améliorer? Mais oui, de gros crânes. Ouais, et c'est comme ça que je l'aime. Super, on reprend les boissons? Ne te précipite pas, fêtons notre rencontre et notre nouveau lustre. On peut en avoir un aussi, s'il te plaît. Bien sûr, je suis pas encore prêt. T'inquiète pas, ça va aller. C'est que du jus de tomate. Oui, c'était du sang. Levons nos verres à notre santé, alors. Je le déteste. Ils agitent leurs mains ici et... Montre que t'es un homme. Ok, monsieur. Allez, on y va. Waouh, il est fort. Je m'attendais à mieux de ta part.
Ok, ça suffit. T'as perdu. Tu n'es rien comparé à moi. Et si on faisait une revanche avec les doigts? Vous êtes prêts? D'accord, la revanche, c'est la revanche. J'espère que papa ne se cassera pas le doigt. Quoi, mortel, tu l'as pas vu venir? Vous ne saviez pas que j'étais le maître du jeu. Wouhou! Victoire! Oh, toi! Une poche de sang, mon doigt! Deux bols de mousse, est-ce que quelqu'un va se raser aujourd'hui? Toi et moi dans un duel de pompe. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'on attend? Super, alors commençons. Mettez ça par terre. Oh, tu vas regretter d'avoir décidé de me défier. C'est vous qui avez commencé. Tais-toi! Allons-y. 1, 2, 3, 4. Allez, chérie! Allez-y, maître! Waouh, ça fait mal! Je crois que c'est bon. Mais ce n'était qu'un échauffement. Une seule main, et maintenant sans les mains. Qu'en penses-tu, mortel? Je peux faire ça toute la journée. C'est bon, j'abandonne. Chérie, ne sois pas triste. Tu as bien travaillé. C'est juste que... mon père. 101, 102, 103. Est un peu un fou des pompes. Jessica est tombée dans un fossé juste pour rater le cours. Voyons ce qu'ils font. Room trick. D'accord, arrêtez. Allez, ma petite araignée, montre-moi à ma fille que son petit ami n'est qu'une petite fille. Ils arrivent. Cache-toi. Quel est le prochain cours? Les maths? C'est pas son casier? Quel était le travail à la maison? Oh! Aidez-moi, s'il vous plaît! C'est trop bizarre. J'ai vu ça au cinéma. Je t'ai eu. Loser. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine !